Bonjour. Ok. J'espère que vous avez regardé mon direct que j'ai fait hier. Je sais pas pourquoi je clique sur un petit peu pas droit. Vous avez regardé le direct que j'ai fait hier, j'espère. Ok. C'est trop bien, trop penché. J'ai des bonnes nouvelles pour vous ce matin. Okay? Ceux qui sont dans le groupe de prière, ça c'est notre dernier jour de jeûne. Donc on n'a pas fait de prière commune ce matin, mais j'espère que vous avez prié de votre côté. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je demande d'abord l'assistance du Saint-Esprit pour pouvoir vous parler de façon correcte et que le message que j'ai à passer sorte bien. Ok? Février qui commence demain là, c'est une saison de récolte. Donc, ne soyez pas surpris si dans vos rêves vous voyez un panier de fruits, vous voyez un arbre fruitier dont les fruits sont déjà mûrs. C'est une saison de récolte, c'est une saison où vous allez aussi sentir beaucoup de stress qui va vous laisser. Donc en janvier tu as beaucoup, tu as, parce que le mois de janvier, énergétiquement, que tu le veux ou pas, le mois de janvier est très compliqué. Énergétiquement, le mois de janvier, c'est un peu comme si tu portais le fardeau. C'est un peu comme si tu portais le fardeau de ta famille, d'une nation, je ne sais pas. C'est très lourd. Donc, même si tes finances vont bien, côté énergétique, tu auras l'impression au mois de janvier que tu bagarres beaucoup. Tu auras l'impression que tu as des attaques. Tu auras l'impression que le travail que tu as commencé depuis n'avance pas. Donc, je peux dire que je veux vous féliciter parce que vous avez traversé janvier, vous êtes encore là. Ok. Laure, écoute ce que j'ai à dire. Donc, on ne fera pas le lavage du mois demain. On fera ça après-demain. Non, après-demain, c'est quand? On fera vendredi. Donc, vendredi, c'est le 3. Ceux qui veulent venir physiquement à Douala, vous pourrez venir vendredi et samedi pour faire des lavages physiques. Voilà. Donc, chaque début de mois, je donne toujours des promotions. Donc, vous, si vous êtes à distance, vous envoyez vos photos. Si vous venez aussi sur place, vous envoyez vos photos. Ne cherchez pas forcément la consultation. Parce que généralement, quand je te lave, je te dis même certains trucs que j'aurais pu te dire dans la consultation. C'est parce que vous êtes toujours figé sur le fait que quand je travaille sur vous, je dois d'abord passer par la consultation. Tu peux prendre ton kit fondation sans passer par la consultation. Tu peux prendre ton kit déblocage sans passer par la consultation. J'ai beaucoup de personnes que c'est après le troisième kit qu'ils ont pu me parler. Parce que quand tu viens, là, généralement, au départ, ton énergie est bloquée. C'est pas parce que tu me vois quand ils parlent, ça te plaît. Ça se sucre dans tes oreilles que je vais forcément te parler. Actuellement, je consulte parfois une personne en 2 jours. Parce que côté énergétique, c'est pas tout le temps que je suis exposé pour parler avec des gens. Donc, je voudrais que vous acceptiez cela. Si vous pouvez comprendre, vous allez apprendre. Et il y a des moments où je dois me retirer pour pouvoir recevoir ce que je vais venir vous donner après. Donc, je m'attends ou bien j'espère que vous allez aussi comprendre cela. Voilà. OK. Donc, beaucoup de lavages que vous avez payés ont été convertis en... Non, beaucoup de consultations ont été converties en lavage. Et je crois que je vais faire des promotions sur les lavages des enfants. Oui. Pour le mois de février qui commence. En tout cas... contactez-nous inbox. N'oubliez pas, parce que je sais que vous êtes toujours là, vous attendez qu'on vous force. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je donne les nouvelles que j'avais à donner. Depuis 2-3 jours, le message qu'il me donne, c'est quoi? Je parle de l'Esprit Saint, je parle aussi des ancêtres. La première chose, c'est que vous avez porté beaucoup de fardeaux. Décembre, janvier étaient très lourds. Vous avez pris beaucoup de résolutions. Vous avez essayé de couper certaines choses par votre propre force. Vous avez essayé de lancer certains business par votre propre force. Donc, vous avez essayé de bouger certaines choses par vous-même. Vous avez même essayé de briser certaines relations qui vous retenaient attachées par votre propre force. Et c'était très lourd sur vous. Très lourd. Je sens, quand je parle, je sens carrément des lourdeurs sur le cou. Je sens des lourdeurs aussi ici, sur la tempe là, des deux côtés. Et puis aussi, beaucoup de personnes avaient du mal de dos. Le mal de dos.
Donc, ça, c'est des manifestations de ton corps pour te montrer que tu es en train d'accélérer, tu es en train d'aller un peu plus vite que tu ne devrais. Voilà. Donc, ce qui va se passer dans cette saison Ça, dans c'est des laquelle manifestations de ton corps. vous êtes en train d'entrer dans une saison, c'est-à-dire février, qui commence demain. Vous entrez dans une période où beaucoup de choses vont être faites pour vous. Dans Luc chapitre 4, quand Jésus est parti, quand il a jeûné, il est parti pour 40 jours, il a été tenté, nanana. Après, la Bible dit que quand le diable a quitté, les anges sont venus. The angels came and they ministered to him. Donc, bonjour, si vous venez d'arriver, donnez-moi le bonjour, que je vous dise bonjour. Bonjour, bonjour, je vais très bien, j'ai bien dormi. Je vais chercher le passage, je vais vous montrer. Parfois, vous avez trop travaillé par votre propre force. Voilà. Donc, dans cette phase-ci là, les anges vont venir. Je vais vous lire ça dans les mots de la Bible même. Matthieu 4, verset 11. Baby, come down, come down. Matthieu 4, verset 11. Alors le diable le laissa et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Ça, c'est ton passage pour le mois de février, ici là. Beaucoup de choses tu essaies de faire par ta propre force. Jésus a traversé un moment de tentation. Il a utilisé la parole pour chasser le diable. Et quand il a fait tout ça, il est arrivé à un moment où on peut dire qu'il était au-dessus de la montagne maintenant. Donc on va dire que pendant tout ce temps-là, il montait, il montait, il montait, il montait, il montait. Et c'était difficile, ça faisait mal. Parce que quand tu es jeune, ce n'est pas très confortable. Maintenant, quand il arrive au sommet de la montagne, après avoir vaincu avec la parole, après avoir résisté, le diable l'a laissé. Donc, je suis là pour t'annoncer que ton mois de février, c'est là. Considère que janvier, c'est le plus mauvais mois de cette année. Commentez là et vous dites, janvier était mon plus mauvais mois de 2023. Le diable le laissa. Ça veut dire que le diable était derrière lui. En février, même ce soir, vous aurez des relations qui vont se gâter. Comme ça. Donc, en fait, tu n'auras plus envie de contacter la personne. La personne n'aura plus envie de te contacter. Certaines personnes, même ton mari va partir de la maison. Laisse-le partir. Certaines personnes, le père de ton enfant qui faisait tout semblant depuis là, avait son mauvais cœur. Tu vas voir son vrai visage. Et tu ne vas plus rentrer dans son jeu. Tu vas devenir zen. Les choses qui te faisaient. Donc, avant qu'on te faisait, ça te faisait mal. Tu attaches ton corps, ça te dit que c'est quoi ça? Tu vas voir que ça va te laisser à 37. Ça va te laisser à 37. En anglais, on dit poised. You know, tu vas être zen. Tu vas voir dans Google, qui est. Parce que ce qu'il y avait dans toi, les tiraillements qu'il y avait dans toi là, les tentations que tu avais de retourner là, c'était ça ton diable. C'était ça ton diable. En fait, tu te lèves, tu dis, ok, je dois faire la vidéo si je mets sur YouTube. Tu te lèves. TikTok est là. Tu vas TikToker toute la journée. Tu prends le livre, tu mets devant toi que je vais lire. Tu te retrouves à la cuisine à te préparer. Les faux trucs. Bonjour, bonjour. Bonjour. Les fausses manipulations intérieures que tu avais. Donc, quand tu restais sur ça, tu sentais que. Parfois, tu es en train de regarder des TikTok. Ton esprit te dit que arrête, arrête. Une heure plus tard, arrête, arrête. Tu sens que là où tu es sous l'emprise. Voilà d'où tu viens. Voilà d'où tu viens. Et il y a aussi des gens avec lesquels tu dealais.
que ils étaient là pour t'exploiter. Donc, dans le deal, ils t'exploitaient. Oui, dans le deal, ils t'exploitaient. Tu ne savais pas. Tu vois, un peu quand tu arrives dans une ville, non, tu ne connais personne. Tu demandes des informations à quelqu'un. La personne t'amène quelque part, on va t'escroquer. Et il sait qu'on va t'escroquer. Et il bloque ton cerveau de telle façon que tu ne peux même pas aller en ligne chercher toi-même. Parce que tu lui fais confiance. Donc voilà aussi les gens qui vont sortir de ta vie. Donc tu vas rester ça du jour au lendemain. Tu n'auras plus envie de l'appeler pour lui demander que je fais comment pour telle procédure ou bien pour tel papier ou bien. Non, 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 non. Tu n'auras plus envie de le contacter. Tu vois, avant, je te disais, ah, si le monsieur n'est pas sponsor de mon visage, je vais faire comment? Et tu savais que l'homme là, chaque fois que tu l'appelles, il te parle d'une façon indécente. Et tu te sentais comme attaché, comme emprisonné. Actuellement, qu'il te parle, tu es même encore chez lui. Tu sais qu'il y a sa femme au pays. Tu as espoir qu'il va te donner les papiers. Comme tu sors de la maison là aujourd'hui, c'est fini. Tu ne vas plus jamais rentrer là-bas. Tu me suis bien. Avant, tu avais une tendance ou bien une inclinaison. Like, tu aimais te faire du mal. Tu partais toujours vers ce que tu sais que ça ne va pas donner, mais tu pars quand même. C'est comme si tu avais le goût du risque. C'est même pas le goût du risque, c'est la folie, c'est la bêtise. Maintenant, tu vas sortir de là. Donc, tu vas te retrouver souvent à 3 heures en train de lire un livre. Tu vas te retrouver à 3 heures en train de travailler sur ton site internet. Voilà la dimension dans laquelle tu es en train de partir maintenant. Tu vas entrer dans une étape où tu vas devenir, tu vas poser les actes qui vont t'amener là où tu voulais partir depuis. Tu me suis. Si vous me suivez, dites oui, je suis. J'ai besoin que vous likez la vidéo, vous partagez pour que ça puisse aider d'autres personnes. Il y a 60 personnes, vous avez liké, il y a seulement 17 personnes qui ont liké la vidéo. Maintenant, dans cette étape de ta vie, tu as marché la tête haute. Tu vas plutôt te retrouver dans la nuit en train de vouloir texter la personne là. Tu vas plutôt te trouver en train de vouloir porter ton argent pour lui donner pour qu'il t'aime. Tu vas plutôt te retrouver, je ne sais pas, donc, il y avait des trucs que tu faisais parfois, c'est comme si on t'avait envoûté. Tu accumules l'argent, tu accumules l'argent, après tu portes encore ton argent, tu peux donner à quelqu'un. C'est ce que tu faisais avant. Maintenant là, et dans la phase-ci, parfois, tu as même des pasteurs, justement, le monde des pasteurs ou des guides spirituels qui abusaient de toi. En fait, c'est comme si tu cherchais quelqu'un que scam-moi, 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 escroque-moi. C'est comme si tu avais ça dans ton énergie. Février, si tu en es délivré. Février, si on est en dedans là, tu es libéré de ça. Et il y a aussi quelqu'un autour de toi. Quelqu'un dans ton entourage qui t'embrouillait beaucoup. Quelqu'un dans ton entourage qui t'embrouillait beaucoup. Et tu ne savais pas. La personne est venue embrouiller tes projets. La personne est venue embrouiller tes plans. Et ça ralentissait beaucoup ce que tu avais prévu de faire.
Même la voix de Dieu, tu n'entendais plus bien. Parce qu'au départ, la personne est venue faire comme si elle connaît trop, elle te comprend trop. La personne est venue faire comme si, oh, moi aussi je connais ce que je connais là où tu vas. Moi aussi je vais là-bas. Donc tu es en train de sortir de cette période-là, tu es en train de sortir de ça. Du jour au lendemain, la personne va t'appeler, elle va te dire que. La personne elle-même va te dire que je ne veux plus être avec toi. Donc ne te sens pas, ne te sens pas rejeté. C'est Dieu qui te libère du joug. Le joug-là. La personne va te dire que je ne veux plus faire le business avec toi. Ah, mais on avait prévu de faire 3 conteneurs, non? Non, non, je ne veux plus. Laisse partir ces personnes. Remercie-les dans ton cœur. Et Dieu me dit, te dit qu'il y a certains remerciements que tu ne dois même pas dire à la personne. Ça va ouvrir encore la porte. Remercie-les dans ton cœur. Seigneur, merci. Ne t'attrape jamais en train de mal parler de la personne. Quelqu'un te demande comment va telle personne avec qui tu travaillais. Oh non, bien. Oh vraiment bien. Oh, très bien. No comment. No comment. Parce que dans cette phase où tu es en train de. Où tu es déjà là, parce qu'on est en février. Oh là là, je vais même te dire ça comment. Hier, je vous ai dit qu'il y a une avalanche. C'est comme il y a une mamie d'or avec de l'or liquide dedans qui est en train de se verser dans votre maison. Et je parle vraiment, c'est pas de la blague. J'ai beaucoup de personnes hier qui m'ont écrit, me disent waouh, que le direct, le message que tu as donné, c'était tellement pour moi. Parce que avant que Dieu fasse quelque chose, il doit te préparer. S'il ne t'annonce pas, quand ça va se passer, tu vas vouloir gâcher avec tes anciennes pensées. Donc dans cette période-ci, tu seras heureusement, parce que tu penses que tu es seul, c'est malheureux. Tu seras heureusement seul. Tu vas te tourner à regarder, il n'y aura personne à côté de toi. Il n'y aura personne pour te donner les mauvaises idées sur la gestion de l'argent que Dieu va te donner. Tu sais que souvent, on dépense parce qu'il y a des gens autour de nous, non? Tu sais ça, non? Ah, il y a ma copine. Oui, elle veut qu'on parte faire le shopping. Hey, elle veut qu'on parte se balader à Dubaï. Donc voilà, tu portes 3 millions, tu pars. Alors que tu aurais pu investir 3 millions là quelque part. Hein. Alors que tu aurais pu investir. Hein. Donc voilà, tu es en train de partir te faire le. Ce n'est pas parce que tu peux que tu vas. Ce n'est pas parce que tu peux que c'est le moment. Et tu es en train d'entrer dans une saison où tu n'auras plus la peur financière. La peur, tu avais peur pour ton argent là. Tu vas te réveiller un matin, ce sera parti de ton corps. Donc, ah! Donc il n'est plus peur. Maintenant, tu vas arrêter de t'associer avec les gens. Parce que c'est quelque chose que tu connaissais depuis. Et tu ne pouvais t'empêcher de t'associer avec les gens qui avaient peur. C'est pour ça que tu avançais, tu travaillais sur toi. Un pas en avant, deux pas en arrière. Un pas en avant, deux pas en arrière. Voilà tout ce que tu as fait pendant 2022. 2023, si. Hmm? La première chose que tu vas remarquer, c'est que tu vas devenir encore plus seul. Avant, tu pensais que tu étais seul. Tu seras seul de chez seul. Seul de chez seul. Tu n'auras que mes vidéos et d'autres personnes que tu suis. Pour rigueur, c'est fini, rien d'autre. Donc quand tu vas rester, ton énergie va monter, 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 monter. Après tu regardes ton argent. Ah, mon argent a triplé en un mois. Monter, monter, monter. Ah, j'ai payé toutes mes dettes. Monter, monter. Ah, j'ai pas acheté la maison déjà. C'est un crédit que tu as demandé à la banque, on a toujours refusé. Février, c'est là, demain, ils vont t'appeler pour te dire, madame, revenez à la banque. Les choses que tu ne pensais pas que tu pouvais faire seul. Écoutez-moi bien. Vous savez que depuis quelques semaines, je ne parle pas comme ça. Quand je suis dans le prophétique, je le sens, je le sais.
Les choses que tu te disais toujours que j'ai besoin d'avoir un homme, j'ai besoin d'avoir d'être mariée, j'ai besoin d'avoir le visa. Ma chérie, tu vas commencer à faire tout ça. Toi-même, tu seras choquée. Tu vas rester comme ça là. On m'avait dit que pour acheter la maison, je devais avoir un homme. Voilà ça que j'ai à payer la maison. En 3 ans. Vous entrez dans une phase exponentielle de votre vie. Et l'année passée, tu as beaucoup ramé. Ce qui te ralentissait, c'était les. Tu avais des cordes sur tes pieds, des chaînes. Beaucoup. Ceux qui me suivent réellement, hein, ceux qui me suivent réellement, je sais que vous êtes en train de te libérer. Je sais. Maintenant. Ne venez pas mettre encore le doute dans votre esprit. Est-ce que ce qu'elle a même fait, c'était même ça? Est-ce que ce qu'elle a même fait a agi? Ne venez pas semer ça dans votre esprit. Pardon. Ce que vous allez gâter vous-même. Ce que vous allez vous-même gâter. Tu viens de tomber sur ma vidéo, hein. C'était la première semaine que tu me suis. Ne te dérange pas. Entre, tu t'assois. Prends ton temps. Ne sois pas pressé pour me parler. Écoute mes vidéos. Assois-toi, tu écoutes. Chaque fois que tu vas mettre une vidéo, tu vas écouter. Dieu va te parler. Et quand il va te parler, commence à prendre le sel, tu te laves avec. Après le sel, tu fais le bain de pipi. Après le bain de pipi, tu prends le kit fondation d'abord, tu fais. Il y a l'huile mille faveurs. C'est très noir, c'est noir, c'est une huile très noire. L'huile, c'est là. Hein? Ceux qui ont déjà acheté ça, vous avez reçu ça chez vous. Dites seulement mille faveurs, huile mille faveurs. Vous dites que vous voulez ça. Le matin, tu prends ça, tu mets sur toi. Tu mets sur ton visage. Toi, tu vois comment mon visage brille, non? On ne me dit plus non. Hein? Et en mettant sur ton visage, tu parles. Lui, ce sera à Paris à la fin de la semaine. Ce sera à Paris à la fin de la semaine. Ne te dérange pas que ça brille, toi, ma chérie. Ne te dérange pas. Tu as une réunion aujourd'hui là comme ça. Tu prends, tu mets ça sur toi avant la réunion là. Tu parles. Que j'ai la faveur. Et je vais donner aussi une autre instruction. Vous prenez lui là la nuit avant de dormir. Tu oins ça sur tout ton corps. Les choses qui te bloquaient là, les énergies qu'on t'attachait avec là. Tu vas rêver comment ton corps en train de te détacher. Je t'assure. Les mains percées là, quand tu vas mettre sur tes mains, toi-même tu vas sentir. Tu vas sentir. On va te draguer jusqu'à. Moi, je ne mets pas ça pour la drague. J'allais rien à faire, moi. La drague ne donne pas la drague. Aïe. L'huile, ça s'appelle huile mille faveurs. Donc, si vous demandez, vous dites que vous voulez l'huile mille faveurs. Voilà. Vous êtes en train d'entrer dans une période où. Parce que vous avez besoin de construire une barrière énergétique autour de vous. Et cette barrière énergétique va vous protéger. Je viens de mettre sur moi sans comment ma paume de main chauffe. Oh my God. Sérieusement. Et sans moi, ma paume de main en train de. Ça picote un peu là. Si vous êtes sensible spirituellement, vous allez voir que quand vous allez faire le bain de pipi, le bain de ceci, au fur et à mesure vous allez faire, ça va commencer à protéger votre énergie. Parce que votre énergie se dissipe comment? Les gens viennent à côté de toi. Oh, je veux ça. Oh, allons à tel endroit. Ah, tu es assis à côté de quelqu'un, la personne bavarde trop. Ah! La personne bavarde. Oui, on est parti là-bas. J'avais fait ça là-bas. La personne te prend ton énergie, tu ne sais pas. C'est ça, pas le démon qui fait qu'il bavarde dans tes oreilles comme ça. Donc.
Vous êtes en train, je dois absolument vous donner ces instructions parce que pour ceux qui seront vigilants, vous allez voir. Et il y a aussi quelque chose qui va se passer en février, voilà, il ne fallait pas que j'oublie. Vous allez devenir très sensible spirituellement. Tu vas te lever le matin, tu avais prévu de partir à tel endroit. Tu vas tourner à la maison, tourner. Tu n'es pas censé partir là-bas, hein? Mais comme c'était au programme. C'était au programme. Tu vas tourner jusqu'à ce que tu ne vas pas partir. Parce que comme tu partais là-bas, là, on allait te frustrer. On allait t'intimider. En route, tu allais peut-être rencontrer quelqu'un, un ex, je ne sais pas trop qui. Voilà comment ton énergie allait descendre dans la journée. Et il y a des personnes dans votre entourage. Edith, la plupart des gens qui travaillent et aident les gens, c'est une question de croyance. J'ai commencé à aider les gens depuis 2014. Personnellement, j'étais très bloqué mentalement parce que le travail spirituel, c'est aussi le mindset. Et vous pensez qu'il s'agit seulement d'aider les gens. Il y a des gens qui, quand vous aidez les gens, mais vous ne savez même pas recevoir l'argent. Tu sais ça, hein? C'est toute une autre école là-bas. Vous ne vous documentez pas. Tu veux qu'elle parle? Je veux qu'elle parle au magne ici. Je vous parle aujourd'hui là. Vous voyez très très bas. Parce que vous pensez qu'être humble, ça, servir les gens, ça veut dire qu'on doit être humble. Et l'humilité là-même n'est même pas comme ça. L'humilité, ça veut dire que tu sais qui tu es. Et tu n'acceptes pas qu'on te traite moins que ça. On vous a dit que l'humilité, c'est que tu soignes quelqu'un. Ton loyer, c'est 100 000. Tu soignes les gens chaque jour, on te paye 1 000 francs. Ça veut dire que tu as soigné 100 personnes avant de payer ton loyer. Tu as 5 enfants. Tu as fini de soigner les gens, tu vas encore courir pour aller travailler pour quelqu'un. Donc, beaucoup de personnes qui travaillent sur les gens, vous aidez bien les gens. Vous avez le pouvoir. Hein? Je peux pas te dire le nombre de personnes que j'ai rencontrées. J'ai même travaillé avec certains d'entre eux. Ils sont bloqués mentalement. Il y a l'onction sur eux, mais ils sont bloqués. Donc, ce n'est pas parce que tu es honte que Dieu va se forcer sur toi. Dieu ne se force sur personne. Deuxième facteur, certains parmi vous, votre cœur n'est pas pur. Le cœur pur n'enlève pas. Le cœur noir n'enlève pas tes dons. Et dites-moi de dire, je vais vous dire. Il y a certaines personnes qui soignent, mais ils sont avares. Ils sont cupides. Il n'y a pas la compassion en eux. Ils sont pressés. Ils ne comprennent pas que ça se construit. Certains sont jaloux. J'ai déjà rencontré toutes les qualités. J'ai déjà vu toutes les qualités. Je veux même vous faire le livre sur ça. Vous parlez même de quoi? Ils sont jaloux. Jaloux. Oui. Quelqu'un vient te trouver, tu es en train de faire ton travail spirituel, tu es dans ta maison, tu as tes clients. Je vais t'aider. Je vais te conseiller. Tu n'as pas demandé de conseiller. Mais comme la personne t'est venue, il fait comme s'il veut t'aider là. C'est la jalousie. Il veut te manipuler. Certains veulent prendre tes clients. Certains veulent prendre ta puissance. Ils oublient que ce sont les ancêtres qui te donnent. Ce sont les ancêtres qui donnent. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Au lieu de se concentrer sur sa qualité à lui, sa façon. Dans le spirituel qu'on fait là, il y en a que tu n'as pas de spécialité, c'est que ma part, je rends les gens riches. Voilà ma part que Dieu m'a montré. Je vais ouvrir ton talent. Je vais te permettre d'avoir l'argent. Et aussi les malédictions générationnelles. Voilà. Malédiction générationnelle, ouvrir le talent de la personne et rendre la personne riche. Voilà mes trois choses. Je suis voilà ma part. Quelqu'un peut là sa spécialité, c'est de donner les enfants aux gens. Quelqu'un elle te prend un petit lavage, on ça fait papa, elle te donne, tu pars. Tu tombes enceinte. Est-ce qu'on va se comparer? On ne peut pas. Elle et moi, on ne fait pas dans la même classe. On ne fait pas dans la même classe. Certains vont venir, ils ne vont pas identifier leur particularité. Et certains vont venir utiliser l'expérience. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans ça.
Je connais plus que toi. Non. Ce n'est pas parce que tu es là depuis 20 ans. Mukendi, tu m'écoutes pendant 2 minutes, tu ne comprends pas de quoi je parle. Tu peux partir. Tu as compris, Mukendi, tu reviens un autre jour. Donc, certaines personnes m'ont dit que ça fait 20 ans que je suis dans ça, je connais. Dans la fin, si on ne connaît pas, on ne maîtrise pas jusqu'à la fin. Parce que vous arrivez à un niveau où vous ne laissez pas l'esprit vous guider. Vous ne laissez pas l'esprit vous montrer. Tu peux te lever un matin, l'esprit te dit qu'à partir d'aujourd'hui, fais comme ça. Tu dis que non, on m'a dit que c'est comme ça qu'on fait. Tu ne veux pas partir, c'est là où il t'amène. Et c'est là où il est en train de t'amener, là, qui a ta libération. Combien de gens qui soignent, vous venez souvent, en venant vous masquer, vous enlevez vos bracelets, que je ne sache pas que vous soignez. Je m'en fous. Viens en m'entendant. Tu vas pas dire ton mensonge. Et le truc aussi, vous devez comprendre que quand tu as un don spirituel, on s'entraide entre nous. On s'entraide entre nous. Moi, je peux avoir le don de rendre les gens riches. Toi, tu as le don de briser les malédictions générationnelles sur les gens. L'autre, lui, délivre seulement les gens. L'autre, lui, sort les gens des maladies. C'est une maladie. Il y a des trucs comme l'épilepsie. Moi, je ne fais pas dans les maladies trop compliquées. Là, ne fais pas moi dans ça. L'autre soigne seulement peut-être la rate, ceux qui s'occupent des nouveaux-nés. On est censé s'entraider. Parfois, quelqu'un vient à toi, tu sais que tu ne peux pas soigner la personne. Dirige la personne, là, on peut l'aider. Comme un pas comme ça, là, 10 vont venir chez toi. Écoutez, je suis arrivé à un niveau où je fais trop confiance en Dieu. Parce que les gens qui viennent vers toi, ce n'est même pas toi qui les soigne. Voilà que vous connaissez. N'est pas de dire que prends ça, tu donnes à la personne. Tantôt, comme Jésus, non. On va te dire peut-être que prends l'huile. L'huile mille faveurs, est-ce que le mois passé, il n'y avait pas l'huile mille faveurs? Ma Edith, tu sais quoi? Je vais même te bloquer. Tu as compris, Edith? Tu as compris? I will bloquer you. Tu comprends? Tu n'es pas fait pour ma page. Tu as compris, ma chérie? Je ne suis pas fait pour tout le monde. I'm not for everybody. Moi, j'ai accepté ça. Tu as compris, ma chérie? Bon, bye bye. Parce que quand quelqu'un a bloqué dans sa tête un genre là, il ne faut pas venir me troubler même pour partir avec tes problèmes là-bas. Ce genre de personne qui va te convaincre qu'elle a les problèmes. Personne n'entre vous. Vous avez les problèmes pour que qui? Tu as les problèmes pour que qui? Non, ça, tu ne comprends pas. C'est que mes problèmes sont... Pardon, qui t'a fait ça? Vous voulez convaincre qui? La spiritualité est facile. Hein? Quand j'ai compris que c'est moi qui me bloquais avec mes pensées, ma vie a changé. Oui. On fait rester, c'est que ah, je suis seulement une petite femme. Ah, je pensais des choses comme ça avant. Ah, qu'est-ce qu'elle peut faire avec tous les grands sorciers qu'il y a là-bas dehors? Jésus vient, il te dit que je te protège. Avance. Ah, Jésus. Mais Jésus, regarde, les gens là, ils sont dans la rose croix. Hein. Hey, s'il m'attaque, voilà tes peurs. On m'a dit que mon patron est dans ça. Hein. S'il me prend, tu ne crois pas en ce qu'on te dit. Tu ne connais pas qui tu sais. Et tous les jours, tu es sur ça. Seigneur Jésus, je te sais, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Tu connais même Jésus là. Le roi des rois. Celui qui a tout l'or de la terre. Un jour, je suis arrivé à un point où j'ai dit à Dieu que Seigneur, je ne peux pas te servir. Tu me montres le médicament, je prends et donne à quelqu'un guéri. Tu me donnes les paroles, je donne, les gens se lèvent de leur lit, ils marchent. Tu me donnes les paroles, je donne, les gens se sortent des dépressions. Et moi, ma vie n'avance pas. Je ne peux pas donner les paroles aux gens, ils partent, leur finance s'ouvre, ma part ne s'ouvre pas. Il m'a montré. Jocelyne, c'est parce que tu ne crois pas. J'ai commencé à croire simplement et bêtement. Si c'est le roi des rois, ben l'argent, je n'ai plus de problème d'argent. Oh. Il faut que je médite un peu sur cette pensée. Quand tu es en train de vouloir enjoy ton argent dans ta tête, après là, tu sors avec un gars qui commence à dire, ah, l'argent est dû, hein. Comment tu peux dire que l'argent va venir comme ça? Comment tu peux dire que l'argent va venir comme ça? Non, 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 non. Non. C'est pas possible. Tout voilà, Jésus te parle, ton gars te parle. Tu dis que, ah, peut-être c'est moi, hein, peut-être c'est vraiment moi. Tu pars encore pour 2 ans, tu vas tourner encore 2 ans derrière le gars là. Il va empester tes pensées. 2 ans de tourniquet. Alors que Dieu t'avait déjà mis dans le cœur tes paroles.
Tu reviens encore à la case départ. Ok, Seigneur, je veux te croire. Oui, je veux te croire. Le tout-ci là, hein. Le tout-ci. Toutes tes chaînes qui faisaient que tu repartais encore dans tes anciens trucs là, c'est quitté sur toi. Tu dois croire. Et quand tu crois, ne dis même pas à quelqu'un, n'essaie pas de convaincre quelqu'un. Ton argent se manifeste seul. Ça se mange seul. Ça, tu obéis seul. Ah, chérie, Dieu m'a dit qu'on doit aller faire le don à l'orphelinat. Donc tu penses qu'il était avec toi la nuit quand Dieu te parlait? Hein? Tu arrives, tu donnes l'argent, la femme de l'orphelinat te dit que maman, toute la nuit j'ai prié parce qu'on n'avait plus à manger. Voilà ta confirmation que Dieu te parle. Voilà ta confirmation que Dieu te parle. Tu penses que le lendemain ou deux semaines plus tard, quand Dieu va te dire, appelle ton banquier encore. Va encore demander le crédit bancaire que tu avais demandé à cela 3 mois, on a refusé. La même voix qui t'a parlé pour l'orphelinat, c'était ça. Tu vas douter comment? Tu vas douter comment? Tu te lèves calmement, tu prends ton sac, tu prends tes papiers, tu mets dans le sac, tu pars. Bonjour, je peux voir le banquier? Oui, monsieur le banquier, Dieu m'a dit de venir aujourd'hui. Oui, oui, Dieu m'a dit de venir. Je suis revenu pour faire l'application là. Relancer encore la procédure. 2 jours plus tard. C'est surprenant, madame. Oui, vous étiez ici, ça fait 2 jours. Je ne comprends pas. Pourquoi? Oui, mais bon, je vois que ça marche. Bon, revenez, on va... Nassim, tu parles beaucoup. Don't talk too much. Quand tu crois, tu n'expliques pas beaucoup. N'explique pas beaucoup. Crois seulement, reçois seulement ta part. Et ta puissance diminue quand tu parles pour expliquer aux gens. Tu sais, j'ai fait un lavage au pipi. Tu te laves avec le pipi. Oui, oui, non, laisse, attends, ouais, laisse, non. Oui, après, je me suis lavé avec le sel pendant 3 semaines. Ah! Tu te laves avec le sel, pourquoi? C'est les filles de toute la femme de TikTok, là. Hein? Oui, attends, je t'explique d'abord. Attends, je t'explique, non. Bon, voilà, comme je te disais, non. Je me suis lavé avec le pipi. Après, j'ai jeûné. Après, j'ai faim. Il faut qu'on parte manger au McDo, non. Ouais, attends, je t'explique, non. Ouais, après, s'il te plaît. Tu es en train d'essayer d'expliquer à la personne. C'est comme ça que ta foi diminue. Te voilà. Tu ne peux convertir personne. Février 2022-23, arrête de convertir les gens. You cannot. You cannot. Just give up. Leave it alone. Tu vas te recevoir à 5 heures. Dieu va te donner une parole. Aujourd'hui, là, tu vas voir. Tu auras une belle journée. L'argent va entrer. Tu te lèves. Tu dis amen, Seigneur. Tu rêves comment on est venu te donner un habit plein de diamants. Comment on est venu, on t'a, quelqu'un avait volé ton sac, on a retrouvé ton sac, on est venu te donner. Comment on t'a mis au milieu d'une salle, on t'a déposé sur la chaise de roi. Tout ça là, tu acceptes seulement. Tu acceptes seulement. Tu ne dis à personne. Tu as essayé de convaincre les gens. C'est ta vie, non? C'est ta foi, non? C'est ton argent, non? Pourquoi tu as besoin que quelqu'un à l'extérieur de toi croie ce que tu es en train de faire? Arrêtez de chercher l'approbation des gens. Ça diminue votre puissance. Et parfois, les gens ne vont pas vous montrer ce qu'ils font. Quand ils vont voir que vous avez commencé à découvrir la spiritualité, oh my God. Je vais t'expliquer. Tu sais, le lavage au cerveau, moi, j'ai fait ça depuis 15 ans. Hein. Ma soeur, je te connais depuis 20 ans. Tu ne m'as jamais montré. Maintenant que Dieu m'a permis, je suis tombé sur ça. Tu veux venir m'enseigner? Fuis la personne là. Écoute-moi bien. Si je... Fuis-moi la personne là. Parce que vous n'aimez pas entendre les conseils. Quand vous parlez, vous êtes toujours là. Je connais comment ça marche. Je connais. Tu vois, non. Souvent, tu peux même mettre le citron. Après, tu mets... Oui, tu prends ça dans le coup de girofle. Tu fais comme ça là. Maman. Donc, je suis avec toi chaque jour. On fait des commentaires au téléphone. Tu connais ça depuis 10 ans, tu ne m'as pas montré. Ils sont pleins autour de vous. Hein. Hmm.
Je travaille sur une femme. Sa soeur qui vit chez elle depuis des années. Donc ça veut dire que cette femme est tellement gentille qu'elle a accepté que sa soeur vienne vivre chez elle. Cette soeur pratique à un degré que c'est pas petite affaire. Elle passe au Bénin, elle se tape des jours de travail là-bas, après elle revient. Ils sont dans la même maison ensemble. Les soeurs, même père, même mère. Et vous pensez que c'est tout le monde qui vous aime. Suzanne Christelle, ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans mes vidéos. Donc je pense que tu es nouvelle sur ma page. Quand vous commencez à vous laver avec le sel, c'est seulement le début. Parce que quelqu'un m'a dit, je me lave avec le sel depuis 2 ans. Le sel, c'est la porte d'entrée. Après le sel, il y a les kits. Prends un kit fondation, tu t'assois, tu jeûnes pendant 7 jours. Tu brises les malédictions qu'il y a sur ta famille, sur ta vie. Après, tu prends un kit de déblocage. Après, tu prends un kit de célébrité. Il y a même le kit commerce. Il y a le kit attirance. Je me lave au sel depuis 6 mois. C'est déjà outdated. J'ai rêvé qu'on me poursuivait. Je n'ai pas dit que le lavage au sel va faire qu'on arrête de te poursuivre. Je n'ai pas moi dit ça. Voilà. Parce que vous êtes aussi tellement chiche sur vos choses. Tu es chiche sur ton travail spirituel, sur ton propre corps. Ça, c'est un truc qui me dépasse sur vous. Quelqu'un capable de voyager et qui d'ici part dans notre pays pour te bloquer. Toi, tu veux utiliser le sel de 2 euros pour te débloquer. Un travail qu'on a dépensé 500 000. 1500 euros pour te bloquer. Vous me faites rire seulement. Rions vivant. Chaque travail spirituel que tu vas faire, tu vas voir comment une chaîne va se débloquer sur ton corps. Chaque truc que tu vas faire, un truc va quitter sur ton corps. Il y en a ici, là, vous savez. Vous savez. Donc je vous ai annoncé qu'il y a les lavages. On va faire les lavages vendredi à Douala. Donc vous pouvez venir. Mais vous ne venez pas pour que vous consultez. Vous venez pour les lavages. Vous venez pour que je vous lave. Voilà. Ce mois de février aussi, vous allez avoir beaucoup de sagesse. La sagesse va s'ouvrir sur vous. Les choses que vous manquiez avant, vous allez commencer à devenir très sage. La sagesse, c'est-à-dire, tu vas savoir ce que tu dois faire. Et tu vas faire. Ce sera plus genre, tu sais que si tu postes une vidéo, ça va te donner les clients. Tu vas poster la vidéo. Voilà. Bon, on va peut-être, je vais faire un direct le soir, peut-être. I'm not sure. Donc, je vous ai parlé des produits qui sont disponibles. Oui, ça j'enlève ça, je mets la couronne totalement. Je pense que je vais laisser comme ça. Bon, passez une très bonne journée. We must go chop money. We must go work money. 11 ans, 7 ans et 4 ans. Tu envoies leurs photos. Je vais voir combien on va faire les réductions pour les lavages des enfants. Je ne vous dirai pas encore ici.
Mais quand vous allez écrire, vous envoie la photo des enfants, on va vous donner le prix. Normalement, le lavage, c'est 33 800. Moi, je suis toujours belle et Chanel. Quand Dieu me créait, elle était de bonne humeur. Il était de très bonne humeur. Il se dit, oh my God, fabricant Jocelyne. Ouais. Ok, bon, passez une bonne journée. Fixez-vous des objectifs pour la journée et allez les atteindre.